Séance un petit peu rock'n'roll malheureusement. Alors, commençons par le début. On est aujourd'hui dans la troisième séance shortcut. Ça va être un peu plus drôle qu'hier quand même, je vous le promets. Vous devriez sortir avec quelques rires ou au moins sourire narquois. On a un petit problème de DCP sur un des films au milieu. Peut-être que ce sera réglé d'ici la fin de la séance, peut-être pas. Donc vous verrez peut-être que c'est un film. On va quand même parler de ces films. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils ont été sélectionnés par notre équipe. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, mais on les voit pas beaucoup, alors je vais quand même les citer. Il y a Bastien Champouny, Margot Duguay, Sarah Kerjean et Élodie Perricot, pardon. Et Téna qui nous soutient de loin cette année, mais qui a quand même participé un peu. Et on a visionné 520, 530 films pour vous apporter cette sélection de 18-19 courts-métrages. C'est une compétition et du coup, qui dit compétition dit jury. Et là, cette année, on a cinq jurys étudiants. On a Anna, Adrien, Jean, Bartholomé et Clément. Et on a également un jury composé de professionnels du cinéma, un producteur, Kevin Rousseau, une réalisatrice, autrice, illustratrice de films d'animation. Marion Jeannot, pardon, et Romain Daudéjahan, qui est auteur-réalisateur de courts-métrages également. Ils vont avoir la lourde tâche de choisir parmi ces 18 ou 19 films, je ne sais pas. On verra ça à la fin de la séance. En attendant, là aujourd'hui, vous allez avoir un film qui est le deuxième film d'un réalisateur qu'on a déjà sélectionné il y a quelques années, je prends mon anti-sèche quand même. Il avait réalisé By Circle, si vous vous rappelez, Kim Tae-yong, qui était c'était un poème un peu ce film, hein, sur l'enfance maltraitée, sur l'enfance un peu isolée. C'était assez beau. Là, il fait un virage à 90 degrés. Il est dans un film beaucoup plus pop, beaucoup plus, tout aussi critique de la société. Par contre, vous allez découvrir, mais c'est un peu notre rapport aux réseaux sociaux qui est traité dans ce film, enfin, complètement pas un truc, complètement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un film d'animation qui va nous parler du monde dans lequel on vit, ce monde où on imagine, qu'on voudrait imaginer comme une boule à facettes. Mais est-ce que ces facettes ne seraient pas finalement chacune une petite prison dans laquelle nous sommes chacun isolés? C'est pas mal, on a tous beaucoup aimé. Bon, normalement, Venet Puckman derrière, et on verra à la fin s'il est toujours là. Peut-être que le punk est définitivement mort finalement. Ensuite, on a un film d'animation, un court-métrage, parce qu'on aime bien ça au festival, mettre aussi en valeur ce genre de format qui ont une petite narration et qui sont bien illustrés en musique avec des paroles. Et là, c'est un film d'animation. Et on va enchaîner avec les deux plus gros ovnis de la compétition. Teratoma, qui est un film sur une jeune femme atteinte d'une tumeur ovarienne. Je vous laisserai découvrir le film. Je pense que vous n'allez pas en sortir indemne. On va finir avec un film d'animation qui est, comme je vous l'avais dit au début, dans la lignée de ces films d'animation qui font plus de 25 minutes, qui était à Busan, qui a eu le prix En tout cas, le film remet en cause la parentalité et propose d'inverser les rôles. C'est How to Get Your Man Pregnant. Il est assez incroyable et je vous invite donc à découvrir
Partez pas quand il est fini, peut-être qu'on va lancer le bump. D'accord? Merci à tous. Et désolé pour ça.